Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Alhambra de Grenade. Nous allons faire le tour de l'Alhambra et ensuite on va essayer de découvrir les secrets cachés de ce merveilleux emplacement et de cette merveilleuse réalisation. Alhambra, donc c'est le mot en fait arabe qui vient de Al-Hamra, la rouge. Et Federico Garcia Lorca a écrit ces mots que vous voyez maintenant à Grenade. Les heures sont plus longues et plus savoureuses que dans n'importe quelle autre ville d'Espagne. Elle a des crépuscules complexes, de lumières toujours neuves qui semblent ne jamais finir. Elle est immensité. Effectivement, vous voyez le site de l'Alhambra sur sa colline, qui est cette espèce de d'énormes châteaux forts avec les montagnes qui sont derrière. Et ces montagnes que vous voyez ici enneigées contiennent le sommet le plus haut de l'Espagne, puisque ce sommet dépasse les 3000 mètres et qu'il y a toujours des neiges éternelles, même si vous allez en plein cagnard du mois de juillet ou du mois d'août à Grenade, vous verrez les neiges éternelles auxquelles on accède d'ailleurs par une route pour aller aux stations de ski. Et vous avez devant vous, en soirée, l'ensemble de l'Alhambra avec la montagne, la Sierra Nevada, au-dessus. Grenade se situe dans l'Andalousie, qui est une des plus grandes provinces espagnoles, située tout au sud de l'Espagne. Et cette province va depuis la région de Murcie, que j'ai sur la flèche ici à droite, donnant donc sur la mer Méditerranée, mais qu'ici on appelle la mer d'Alboran en Espagne. Si vous allez en Andalousie, vous n'entendrez jamais parler de mer Méditerranée, mais de la mer El Mar de Alboran. Et de l'autre côté, ça s'arrête à la frontière de l'Espagne, en fait, qui sépare l'Andalousie du Portugal avec le Rio Guadiana. Le royaume de Grenade, dont on va parler, ce sont les Nasrides qui l'ont fondé et qui s'est maintenu pendant 2 siècles et demi, c'est-à-dire de 1232 à 1492. C'est donc un territoire qui va de Gibraltar à Vera, dans la province d'Almeria, dont je vais montrer la carte tout de suite, ouvert au sud sur la mer dite d'Alboran, et qui est en contact permanent avec le Maghreb. Il est peuplé à majorité à cette époque de musulmans, avec des minorités chrétiennes et juives, et la population passera de 1 200 000 habitants en 1238 à environ 255 000 habitants en 1450. Et donc voici les frontières du royaume de Grenade, à l'époque donc des Nasrides. De temps en temps, vous m'entendrez dire Nasari en espagnol. Moi, c'est le terme que j'utilise d'habitude. Donc peut-être que vous m'entendrez dire Nasari plutôt que Nasride. Et donc ce royaume de Grenade, qui était en fait entouré par les puissances chrétiennes, s'est réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure du temps. Et Grenade en était pratiquement située au centre. Donc les Nasrides ou Nazari du Grenade, c'est une dynastie qui règne sur un royaume prospère, sur le plan économique, culturel et artistique, qui sera le dernier bastion de l'islam en Europe, leur territoire diminuant d'année en année. Car en fait, les chrétiens sont en pleine reconquête des terres d'Al-Andalus, la partie arabo-musulmane de l'Espagne. Ils descendent toujours plus au sud, prennent plusieurs villes de la vallée du Guadalquivir, notamment Cordoue en 1236 et Séville en 1248, contrôlant ainsi toute l'Andalousie occidentale. Grenade était donc la capitale du royaume des Nasrides. C'est une ville qui est à 700 mètres d'altitude, avec au sud la Sierra Nevada, que vous avez vu tout à l'heure,
et au nord une vega ou une plaine très fertile qui a énormément de ressources de culture. Parce qu'elle est très très bien irriguée par toutes les eaux qui viennent en fait de la Sierra Nevada. Et la ville elle-même est traversée par une rivière qui s'appelle le Darro, qui est un sous-affluent du Guadalquivir. Elle alimente l'Alhambra à travers un réseau d'aqueducs très sophistiqué. Sous les Nasrides, Grenade était devenue le refuge des musulmans qui fuyaient l'avancée des chrétiens. Alors, qu'est-ce que l'Alhambra ? L'Alhambra de Grenade, c'est un des monuments majeurs de l'architecture islamique et le plus ancien palais musulman encore debout. C'est avec la grande mosquée de Cordoue le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne du 8e au 15e siècle. Le nom Alhambra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, provient de l'arabe Al-Hamra la Rouge, en raison de la couleur ocre des murs qui passe au rouge au soleil, au coucher du soleil. C'est un ensemble fortifié de bâtiments situé sur la colline de la Sabica qui domine la plaine et la ville de Grenade et qui fait face au quartier populaire et pittoresque de l'Albaïfine. Sur cette vue générale, vous voyez l'emplacement ici de la colline de l'Alhambra, que l'on voit ici, avec le Rio Darro qui est en bas ici, en dénivelé assez prononcé, puisqu'il y a une grande falaise entre les murailles que l'on voit ici et le Darro. Et ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la partie proprement palais et château fort, se prolonge sur l'autre colline pour venir jusque au jardin d'été qu'on appelle le Generalife. En fait, le royaume Nasride était protégé par Ferdinand III de Castille. Après la perte de la ville de Jaén, Mohamed Ben Nassar, fondateur de la dynastie, se déclare le vassal de Ferdinand III de Castille et doit lui payer un tribut annuel. Fin négociateur, le premier souverain des Nasrides noue des alliances tantôt avec ses voisins chrétiens en Espagne, tantôt avec les musulmans du Maghreb, pour sauvegarder son royaume à tout prix. Et donc, sur la Sabica, donc sur cette colline, s'installe tout un ensemble monumental, cerné de remparts et de tours. Vous voyez tous les tours qui parsèment ces remparts. Et avec, en figure de proue donnant sur la ville, la partie fortifiée. En fait, il y a dans l'Alcazaba, il y a sur la colline, il y a deux parties, l'Alcazaba et les palais Nasrides. L'Alcazaba est donc tout à fait en promontoire ici, et ensuite se développent les palais Nasrides, et autour se développe aussi tout ce qui va être la Médina, c'est-à-dire là où vont loger l'ensemble des gens qui participent à la vie du palais. On ne voit pas sur cette partie tout ce qui concerne l'autre côté, que vous voyez sous la flèche ici, qui est le Generalife. Donc dans les deux parties, il y a l'Alcazaba et il y a les palais Nasrides, que vous voyez en noir ici. Juste au-dessous, vous voyez le grand carré. C'est le palais de Charles Quint, dont on parlera un petit peu plus tard. C'est une cité palatine. Si la colline de la Sabica est aménagée sous la direction de l'Almohade Al-Hamar, l'origine de l'Alhambra remonte à 1238, avec l'entrée à Grenade du premier souverain Nasride, Mohamed Ben Nassar. Son fils, Mohamed II, le fortifia. L'Alhambra est à la fois une forteresse, un palais royal, mais aussi une ville avec des mosquées, des écoles, des bains, peuplé de soldats, d'artisans et d'agriculteurs. On va rentrer dans le détail de l'ensemble de ce qui constitue cette cité palatine. Les constructeurs dont je vous ai donné les noms les principaux, mais les sultans, en fait, se sont étagés de 1238 à 1492, à partir du premier Mohamed Ier, qui est ici sous la flèche, et qui vont se terminer en 1492 par Boabdil. Mais ce ne sont pas tous les sultans qui ont construit l'architecture palatine. Les principaux sont Mohamed Ier, Mohamed II
Youssouf Ier et Mohamed V, qui ont vraiment construit les éléments les plus significatifs de cette cité palatine. Le style nasride atteint son apogée au XIVe siècle sous les rois Youssouf Ier et Mohamed V Al-Ghani, qui font édifier les parties les plus prestigieuses entre 1333 et 1354. Chaque souverain reprenait le palais de son prédécesseur et, en édifiant de nouvelles parties, le modifiant à sa guise. On parle donc de palais nasride au pluriel pour cet ensemble. Et les palais nasrides contiennent systématiquement la devise des nasrides qui est « Il n'y a que Dieu comme vainqueur » et que l'on va retrouver partout dans les palais nasrides sous forme, comme vous le voyez dans l'image que vous avez sur la diapositive que vous avez là, qui est assez intéressante. Enfin, c'est un écusson plutôt de caractère catholique, dans lequel est inscrit en arabe « Il n'y a que Dieu comme vainqueur ». Après 7 siècles de pouvoir islamique en Espagne, l'Alhambra est le dernier bastion arabe à tomber aux mains des rois catholiques en 1492. Les palais nasrides, les palais de l'Alhambra, seront cependant gardés quasiment intacts par les vainqueurs. À l'Alhambra, l'architecte, le jardinier et le décorateur ne font qu'un. Et puis, il y a tous ces artements et ces artisans qui ornementent. Ensemble, ils organisent les perspectives, les élévations et les volumes. On a recours à la géométrie, aux mathématiques, mais aussi à l'improvisation due au maniement virtuose de l'équerre et du compas. On cultive l'art des proportions, des volumes, des creux et des pleins. Tout l'édifice est une confrontation de plein et de vide, de compression et de dilatation, qui participe progressivement à la mise en scène du pouvoir. C'est un livre ouvert, l'édifice entier exalte sa propre gloire éphémère, truffé d'allusions gastronomiques, d'odes à Allah et au sultan, les poèmes de l'Alhambra, gravés dans le stuc, jouent des métaphores cosmiques et finalement célèbrent l'architecture elle-même. « Celui qui viendra à moi assoiffé, lit l'un des poèmes, je le conduirai dans un endroit où l'eau est claire, fraîche et douce. » En fait, les sultans nasrides, hantés par la disparition inéductable de leur dynastie, font de leur palais une sorte d'Éden perdu, dédié à la poésie et à la beauté. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on verra que les vainqueurs, donc les catholiques et les rois catholiques, ont gardé les lieux pratiquement intacts. Et dans le pratiquement intact, on verra pourquoi un petit peu plus loin. Mais en fait, avant les palais nasrides, il y a la forteresse qui est l'Al-Kathaba, qui est le château fort initial, qui est donc construit juste sur le talus qui donne sur le rio Darro, qui est en bas, et dont les tours, que vous voyez les tours crénelées ici, domine la ville. C'est donc une forteresse destinée à la protection de la Savica. Il s'agit de la partie la plus ancienne de l'Alhambra. C'est Mohamed Ier qui a construit les murs d'enceinte et les trois tours, la Torre de la Vela, la tour du guet, la Torre Quebrada, la tour cassée, et la Torre de l'Homenaje, le donjon. Une tour additionnelle a été ajoutée par la suite, la Torre de la Polvora, la tour poudre à canon. Ce n'est pas simplement une caserne, mais aussi une médina, où vivaient des artisans et des soldats. Donc il faut bien comprendre que l'Al-Kathaba, ce château fort initial, était aussi en soi-même une petite ville, avec ses logements, avec ses boutiques, avec son hammam, avec sa mosquée, etc. Donc les tours sont assez impressionnantes, comme vous voyez ici. On voit ici une des tours qui doit être la Torre Quebrada. Et à côté, vous voyez donc les autres tours qui cernent en fait l'ensemble ici de l'Al-Kathaba, et on aperçoit ce qui reste des ruines ou ce qui a été reconstitué de la médina proprement liée à la Al-Kathaba. C'est une médina qui en fait disparaîtra quand Mohamed II aura terminé les palais, et à ce moment-là, la Al-Kathaba devient uniquement militaire.
Elle fut ensuite, pour l'anecdote, transformée en prison, puis abandonnée, avant que des travaux de restauration soient entrepris à la fin du XIXe siècle. Et on voit ici donc les fortifications assez impressionnantes. En fait, l'origine du mot de Al-Kasaba vient de l'arabe Al-Kasba, qui signifie une forteresse ou une citadelle, que l'on retrouve également en Afrique du Nord sous l'orthographe Kasba, ou Kasba avec un C. Alors, il ne faut pas confondre l'Al-Kasaba avec l'Al-Kassar, dont on a souvent entendu parler, dont le mot provient de l'arabe Al-Kassar, c'est-à-dire le palais. Sa conception architecturale, pour ce qui concerne l'Al-Kasaba ici, est conforme au type de château fort construit à l'époque en Espagne, dont les exemples les plus intéressants sont à Monteagudo, dans la province de Murcie, Antequera, dans la province d'Andalousie, et Malaga également, dans la province d'Andalousie. La tour principale, qui était la tour du Guet, que vous voyez ici, domine, on la voit dans le fond, domine et la ville, et également tout ce qu'on appelle la Vega, c'est-à-dire la plaine de culture, vous voyez, qui était assez importante. Et en haut, il y avait donc une cloche qui servait à prévenir les gens qui travaillaient dans les champs au cas où il y avait un danger, pour leur dire de rentrer rapidement. La tour du Guet, donc Torre de la Vela, elle a 16 mètres de long et 26,80 mètres de haut. La base est massive et la tour a 4 étages avec des arches soutenues par des piliers. Au deuxième étage, il y avait des créneaux jusqu'au XVIe siècle. Et la cloche, comme je vous l'ai dit, est l'élément le plus important. Cette cloche a également été utilisée pour attirer l'attention des habitants de Bretagne de Grenade pour tous les événements qui se passaient. Et c'est de nos jours, c'est le 2 janvier, quand la tour du Guet et sa cloche sont à nouveau dans la pensée de tous. Le paysage qui peut être observé depuis la tour est absolument superbe. Et comme on voit à 360 degrés, on voit derrière, si vous voulez, la Sierra Nevada et les villages des alentours. Dans les fouilles qui sont pratiquées à l'heure actuelle, on a ici le hammam de l'Al-Kasaba qui est en cours de restauration. Et on a à côté, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la place d'armes, la Plaza de Armas, qui était l'entrée originale de l'Al-Kasaba. Et cette entrée était formée par un ensemble de constructions différentes, de différents services pour les habitants de la forteresse. Les fondations d'ailleurs de plusieurs maisons arabes ont été trouvées dans le centre de la place et sur une partie du mur. Voilà ce qui concerne la première partie, la plus ancienne, qui est la Al-Kasaba. Maintenant, nous allons pénétrer dans les palais nasrides, dont vous voyez ici le plan général. Donc sur ce plan général, il y a toute une zone que l'on appelle le Mekchouar. Ensuite, il y a le palais de Comares. Ensuite, il y a le palais des Lions. Et ensuite, il y a les logements de Charles Quint, donc, qui a été construit plus tard. Le palais actuel est le résultat d'une somme de constructions, transformations et destructions des palais antérieurs. Le premier palais arabe de l'Alhambra a été celui d'Abdil Walid Ismail, suivi de celui construit par Youssouf Ier, à l'exception du Mekchouar, qui a aussi été complété par la tour de Comares, Torre de Comares, la cour des Lions, Patio de los Leones, et les Bains. Mohamed V, qui a édifié le palais des Lions, a en achevé la construction. Donc il y a trois parties bien distinctes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai ici mieux représentées ou plus lisibles, avec la première partie, le Mekchouar, la deuxième partie, le palais de Comares, et la troisième partie, la cour des Lions. Et on verra que c'est une séquence qui correspond au fonctionnement des palais proprement dit. À l'heure actuelle, si vous voulez, quand on visite l'Alhambra, pour ceux d'entre vous qui l'ont visité, eh bien, il y a un circuit qui fait passer par le Mekchouar, ensuite passer par le palais de Comares, ensuite par la cour des Lions, puis ensuite descendre dans le patio de la Daraxa, ou pour aller voir les logements, les habitations de Charles Quint. Voilà une vue générale du départ des palais nasrides, avec ce que l'on appelle ici le Mekchouar, et qui était précédé par une cour et également une mosquée. Alors, il est assez difficile de savoir quand le Mekchouar fut originellement construit. Selon les citations du poète Im Zamrak, le Mekchouar faisait partie
des premiers Alcassars nasrides. Mais il a subi énormément de transformations au cours des siècles et subit également des incendies. En fait, le Meixoir, c'était l'endroit où avait lieu l'administration de la justice. On y trouvait le bureau des affaires d'État. Il y avait une chambre élevée fermée par des croisillons où le sultan écoutait les demandes des citoyens sans être vu. Et au fond de la salle, que vous allez voir tout de suite, on trouve un oratoire qui est une petite salle orientée vers la Mecque, richement ornée, avec des pièces de céramique dont on aperçoit l'albaïcine. Après la conquête, les rois catholiques firent modifier cette salle pour la transformer en chapelle, dont on observe encore la balustrade du chœur. Voilà un détail donc richement orné du Meixoir, construit donc entre 1315 et 1325, que vous voyez ici. Donc ce palais se composait de deux grandes cours avec la mosquée et la machouka, la salle du Meixoir, et également donc le petit oratoire mosquée. Donc quand on a une vue générale dans l'entrée du Meixoir, ici que vous voyez ici, on voit donc la tribune qui a été transformée par les chrétiens, et dans le fond ici, par cette petite ouverture, on accède au petit oratoire avec sa petite mosquée. Donc ce que l'on peut noter ici, c'est la finesse des colonnes en marbre, et aussi la finesse des chapiteaux, et puis ensuite tout ce qui concerne les consoles qui servent à tenir donc les parois, et dont on parlera en détail tout à l'heure. Et la petite mosquée oratoire du Meixoir, qui se trouve au fond donc de cette pièce. Il fut restauré au début du XXe siècle, dû à son état de détérioration, après l'explosion d'une poudrière sur la vallée du Douro en 1590. Et voici donc une vue de ce petit oratoire, et derrière les baies géminées que vous voyez ici, vous voyez donc toute la colline qui est en face, qui s'appelle l'Albaïcine, qui est une colline absolument extraordinaire, avec de toutes petites ruelles, mais dans cette colline, des propriétés absolument magnifiques et avec des jardins splendides que l'on appelle des carmenes en espagnol. Donc dans cet oratoire, on trouve quatre petits balcons avec des arcs et des petites fenêtres et un mirable qui est très décoré avec des arcs en fer à cheval et des inscriptions du Coran et des éloges à Mohamed V. En partant du Meixoir, on arrive au Quarto Dorado, c'est-à-dire la chambre dorée. Mohamed V ordonna sa construction et elle appartient au palais de Comares. Donc on a passé le Meixoir et on arrive au palais de Comares. On va dire que c'est l'antichambre du palais de Comares. C'est un petit peu là où en fait les dignitaires venaient attendre d'être reçus par le sultan dans le palais de Comares. Alors, il y a donc cette cour que l'on va voir dans la photo suivante, et derrière cette cour, il y a donc une pièce qu'on appelle la chambre dorée, en raison des peintures modérates et de son plafond à caisson. Voilà donc cette cour, la cour du Quarto Dorado, qui est donc extrêmement belle, extrêmement fine, extrêmement élégante. Et tout le mur est décoré avec de très beaux ornements et de nombreuses inscriptions, avec la devise dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Seul Dieu est le vainqueur ». Et sur la frise en bois travaillé, qu'il y a ici, il y a un poème de Ibn Zamrak, qui est l'un des poètes qui a laissé ses poèmes écrits dans les palais nasrides. Et c'est la porte qui se trouve sur le côté de cette salle qui mène à la salle qui est remplie de stucs avec des frises de moque arabe et un toit d'entrelacs peint à l'époque des rois catholiques avec une inscription qui fait référence à la conquête de Grenade. Alors, si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire tout à fait de l'autre côté, pardon, on a donc l'autre vue ici, avec les portes qui donnent à gauche sur les palais, dont je vous ai parlé tout de suite. Donc cette cour est entièrement en marbre, avec toujours une fontaine au milieu, et vous voyez ici l'équilibre de la deuxième façade de cette cour du Quarto Dorado. Et vous voyez ici que les arcs
qui nous font passer successivement d'un endroit à l'autre sont très richement ornées. Et la salle du Quarto Dorado, que vous voyez ici, donc est une salle très oblongue, et est couverte d'un plafond qu'on appelle artesolado. Artesolado, ça veut dire plafond à caisson. Donc c'est un plafond richement décoré, avec donc des éléments en bois qui le composent. L'espèce, en fait, c'est pratiquement une mosaïque en bois, avec dedans des insertions peintes ou des insertions recouvertes de dorures ou d'argent. Et au milieu donc, du Quarto Dorado, vous voyez ici la fontaine en marbre, en albâtre, avec son, son réceptacle périphérique orthogonal. En arrivant dans le palais de Comares, que l'on va voir maintenant, on passe par ce qu'on appelle la cour des Myrtes. Et de la cour des Myrtes, on va rentrer dans la salle des ambassadeurs en passant par la salle de la barque. Donc c'est salle de, qu'on appelle la salle de la Barca. En fait, il semble que le nom vienne de la transformation du terme arabe Baraka, qui veut dire bénédiction. Et voici ici le toit, toujours artesolado, de la salle de la Barca. Donc on y arrive en passant sous un arc en ogive, à partir de la galerie nord de la cour des Myrtes. Cette salle est rectangulaire, elle fait 24 mètres de long et 4,35 mètres de large. Et elle était plus petite à l'origine et elle fut agrandie par Mohamed V. Et dans cette salle, il y avait une voûte demi-cylindrique qui fut détruite par l'incendie de 1890 et qui fut donc remplacée par une reproduction terminée en 1964. Et les murs représentent de riches stucs avec le blason nasride et à l'intérieur de celui-ci, bien entendu, le mot de bénédiction et la devise de la dynastie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voici comment on pénètre, en fait, par une série d'arcs successifs dans cette salle de la Barca. Avant, on y rencontre donc la cour des Myrtes. La cour des Myrtes, c'est le patio des Myrtes, Arayanes en espagnol, qui a reçu son nom par des Myrtes qui entourent le bassin central de la cour. Elle a été aussi appelée, au fil du temps, la cour de bassin ou de l'étang. Donc c'est une cour absolument merveilleuse, que vous voyez ici, qui a donc un bassin central, et vous voyez ici le portique qui mène juste derrière à la salle de la barque, et derrière, on voit la tour du palais de Comares, donc la tour, la salle des ambassadeurs. Ce plan d'eau, et même cette cour, fait 45 mètres de long, et vous verrez tout à l'heure que la tour en elle-même fait, elle aussi, 45 mètres de long. C'est en fait la cour la plus impressionnante du palais par ses dimensions. Donc on voit bien la tour de Comares qui est percée en partie haute ici de meurtrières et qui domine de sa masse toutes les constructions de l'Alhambra. Et vous voyez qu'ici, la première partie et même, on ne voit pas à cause de la fontaine qui est ici, l'ensemble du palais se reflète dans l'eau, c'est-à-dire qu'il donne la partie invisible, il nous montre l'invisible. Et même la tour donc, se reflète dans l'eau. On retrouve ce système-là un petit peu partout, on va le retrouver, avec le lac noir du Taj Mahal. Et il existe ici, en fait, une harmonie merveilleuse entre la pierre, l'eau et la végétation. La richesse et le luxe de cette cour en font une pièce digne d'un roi. Elle a été construite sous le règne de Mohamed V. Donc ça, c'est la vue vers le nord, et on prend dans cette même cour la vue vers le sud, on a toujours le même principe, avec ici donc les galeries de l'étage qui donnaient sur les parties privées du palais. Et puis vous apercevez juste derrière ici le palais de Charles Quint qui est venu s'adosser à cette partie-ci. Donc quand on peut avoir une photo comme celle-ci, c'est reposant parce que la plupart du temps c'est noir de monde. Et quand on maintenant, si on se met dans l'entrée des palais, eh bien, on a la succession d'arcs ici, et qui donne sur l'ensemble du bassin central de la cour des Myrtes, et on voit dans le fond la salle des ambassadeurs. Donc le palais de Comares, il fut la résidence officielle du roi, il est composé d'une série de salles autour de la cour des Myrtes, on peut signaler la salle de la barque et le salon des ambassadeurs qui occupent l'intérieur de la tour de Comares.
La tour de Comarès est la plus haute de la tour de l'Alhambra. À l'intérieur, on peut y trouver la salle de la marque et la salle des ambassadeurs, comme je vous l'ai dit. Alors, vous voyez ici la tour de la salle des ambassadeurs, que vous voyez ici, qui fait du haut en bas ici 45 mètres de haut. Et si on prend les 45 mètres de haut, c'est quand même énorme pour une tour dont je vous dirai plus tard comment elle a été construite, avec quels matériaux. Et on voit que, donc, ensuite, en dessous, le Darro passe juste en bas ici. La salle des ambassadeurs, c'est la plus majestueuse du palais. Elle fut la salle du trône où les réceptions officielles étaient organisées. Elle est pleine d'inscriptions décoratives, textes du Coran, louanges à Dieu, poèmes. D'après Fernandez Puertas, le palais représente les seuls cieux du paradis islamique avec le trône de Dieu dans le 8e. Voilà l'ensemble de cette salle absolument magnifique, extrêmement bien ornée. Et dans le fond, vous avez l'alcôve du trône, c'est-à-dire que le sultan se mettait dans le fond, en contre-jour, comme ça il était dans l'ombre, ça lui permet de voir ses visiteurs qui arrivaient et qui, eux, étaient bien éclairés. Voilà ici le détail de l'alcôve où était le trône du sultan, et vous avez les alcôves périphériques. Les murs ici, qui font en fait l'ossature principale de la salle des ambassadeurs, font plus de 3 mètres de large. Et vous retrouvez ici l'alcôve du trône avec sa décoration, dont on reparlera tout à l'heure dans les détails. Mais surtout le plafond voûté, qui est en bois de cèdre et qui est une véritable prouesse technique, puisqu'il se compose de plus de 8017 carreaux de bois multicolores. Donc des lignes diagonales rayonnent, on voit ici, elles rayonnent depuis le centre, représentant les quatre arbres de la vie, et le plafond est aussi décoré de nombreuses étoiles, comme vous le voyez ici. Et il était peint pour faire briller comme l'ivoire, et la nacre et l'argent. On en voit ici une autre vue générale, en vue en contre-plongée. Donc il y a énormément de détails dans cette salle qui crée une atmosphère fraîche puisque la plupart de l'espace est dans la pénombre et en plus la lumière qui arrivait de l'extérieur produisait des effets d'éclairage intense concentrés sur le trône. Je vous parlerai tout à l'heure de l'éclairage traité dans les palais nasrides. Ensuite, le troisième point important, c'est le palais des lions, Patio de los Leones, qui constitue les habitations privées du sultan et de sa famille. Il a été construit par Mohamed V. Il est formé par un patio central, la cour des lions, entouré par d'autres salles. À l'ouest, la salle des Moukarnas et la salle des rois. Au nord, la salle des deux sœurs, la salle des fenêtres à meneaux et le mirador des Daraxa. Et au sud, la salle des avant-serrages et le harem. Voici une des vues de la cour des lions, qui est un exemple d'architecture assez extraordinaire. La cour des lions, elle forme le centre même du palais et elle possédait au départ deux allées perpendiculaires d'allées de marbre qui s'élevaient au-dessus des quatre parterres en contrebas. Donc ce que vous voyez ici, qui est une traduction récente, donc un sol de marbre, que vous voyez ici, n'existait pas. Il y avait un sol qui était décaissé d'environ 1,50 m et dans le fond, il y avait un jardin qui fait que les arbres en fleurs, finalement, se retrouvaient juste au niveau du visage des personnes qui faisaient le tour de cette cour et donc qui pouvaient en sentir les parfums puisque c'était planté de fleurs et d'arbres. La fontaine qui est au milieu provient d'un palais du XIe siècle et elle est bordée par deux pavillons à colonnes qui abritent chacun une fontaine et qui font face au centre des petites cours, au petit côté de la cour. Et tout ça s'était relié donc par des caniveaux et des rigoles. La cour des lions fait partie donc du palais des lions. Elle est entourée par une galerie dans le style d'un cloître chrétien, supportée par 124 colonnes de marbre. La cour est ainsi appelée en raison d'une fontaine centrale d'une forme dodécagonale cernée de 12 lions. C'est un salon privé utilisable en été par le sultan et sa famille. Vous voyez ici deux vues qui montrent l'importance des fontaines
qui compose l'axe en fait de composition du patio des Lions. Et en plus de la fontaine centrale, il y a toujours dans les deux pavillons sur les parties longitudinales une petite fontaine complémentaire. C'est-à-dire que les fontaines, si vous voulez, où l'eau pénètre à l'intérieur des bâtiments. Ça ne reste pas à l'extérieur. Et sur la vue suivante, vous avez donc le détail assez extraordinaire donc, des pavillons latéraux avec l'ensemble de décorations de plâtre et de stuc et la richesse donc, des chapiteaux que vous voyez ici, mais aussi des abacs qui se prolongent aussi au-dessus. Et la finesse également des arcs qui sont toujours ici dans la cour des Lions, et vous le verrez plus tard, qui sont des arcs rehaussés. Donc voici un détail où vous voyez les arcs rehaussés ici. Donc c'est du plein cintre qui logiquement devrait s'arrêter ici, mais qui redescend un petit peu plus bas. Et vous voyez qu'il y a de temps en temps des colonnes support qui sont des colonnes géminées, qui sont en marbre, et on voit aussi ici l'importance des encorbellements des couvertures. Et voici ici donc la fontaine des Lions, qui est une fontaine totalement en albâtre, qui est ici restaurée, parce qu'il y a quelques années, les Lions, on n'en voyait pratiquement plus les détails de la tête, mais tout a été restauré avec la fontaine en albâtre, qui est assez extraordinaire. Voici un détail à ce niveau-ci. Les pavillons, j'y reviendrai tout à l'heure, pour vous donner un état de leur composition. Et à l'intérieur de ces pavillons, il y a donc ce qu'on appelle des stalactites, mais également ici des dômes qui sont totalement en bois, donc en artesonado, pardon, je recherchais le mot. Ensuite, nous passons à la salle des avant-serrages, qui se trouve en face de la salle des deux sœurs, dans la cour des Lions. Il semble qu'elle ait été ainsi appelée, car des princes de la famille des avant-serrages auraient été égorgés dans cette salle. Alors, c'est une salle qui se trouve au sud de la cour des Lions. On y entre sous un arc que vous voyez ici, où la polychromie est encore conservée. Et on voit dans le fond de cette salle les fenêtres qui ornent la salle proprement dite, qui a une toiture assez extraordinaire, qui est composée en fait de deux carrés qui pivotent à 45 degrés pour créer donc ce symbole de l'étoile que l'on va retrouver partout dans les palais nasrides. Vous voyez qu'il y a donc une partie extrêmement décorée en partie haute, des baies qui éclairent en périphérie et qui ramènent la lumière sur les consoles latérales qui sont ici ornées de stalactites. Et la toiture de cette salle, c'est celle-ci, toute simple, alors que l'intérieur, comme vous le voyez à droite, est extrêmement orné. Ce qui est intéressant à noter, si vous voulez, c'est que toute cette ornementation-là, en fait, quand on est à l'extérieur des palais nasrides, donc quand on contemple les palais nasrides depuis notamment le haut de la colline de l'Albaïthine qui est en face, on ne voit que des murs. On ne voit rien du tout de l'intérieur. Hein, ce n'est pas Versailles, c'est le contraire de Versailles, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est la pénétration dans les salles qui sont de chaque côté, que soit la salle des avant-serrages d'un côté ou la salle des deux sœurs, eh bien, on a toujours une succession d'arcs pour pénétrer dans ces pièces-là. Donc vous voyez, l'arc, il y en a un ici, qui se prolonge, un deuxième et un troisième. Vous verrez pourquoi, ça n'est pas anodin. Donc de l'autre côté, côté nord, il y a la salle des deux sœurs, qui est ainsi appelée en raison de ces deux grandes dalles jumelles en marbre qui font partie du sol. Par cette salle, on accède ensuite aux chambres de Charles Quint et vers le jardin du Partal par un balcon. Donc voici l'intérieur de la salle des deux sœurs, qui reprend le même principe que la salle des avant-serrages, avec une ornementation de stuc et de stalactites extrêmement foisonnante. Et vous voyez aussi qu'on retrouve ici le sens de la perspective,
puisque cette salle se prolonge dans le fond par ce qu'on appelle le mirador de Daraxa, que l'on verra tout à l'heure, le mirador de Daraxa donnant sur le patio de Daraxa proprement dit. On a une autre vue de cette salle. On sait que, notamment, le dernier sultan, Boabdil, a vécu dans cette salle. Voici des détails de nuit de cette salle. Ou encore ce détail. Donc à partir de là, on arrive au mirador de la Daraxa, qui est une petite salle rectangulaire avec deux arcs latéraux et un arc double face à l'entrée de la salle qui va pointer vers le patio de Daraxa. Donc on y accède par ce qu'on appelle la salle des fenêtres à meneaux, la salle de los Arimefes. Alors, c'est une pièce assez merveilleuse, et je reviendrai là-dessus sur notamment l'élément qui est ici. Je ne vais pas vous faire plus de détails. Et vous voyez que donc ici, on donne sur le jardin donc de Daraxa, et dans le fond, on voit des murs, c'est tout ce qui a été construit pour les habitations de Charles Quint, alors qu'en fait, avant, on avait d'ici, on avait la vue sur toute la colline de l'Albaïcine. Voici les ornementations de cette salle. Donc c'est toujours composé avec un soubassement de mosaïque et ensuite du stuc, et puis ensuite en partie haute on trouvera un plafond artesolado. C'est un principe de construction. Donc le harem fut la zone privée du palais, le sultan y logeait ses femmes et ses enfants et ainsi que le reste de sa famille. Maintenant on ne visite que le patio du harem. On y accède par un corridor avec belvédère de la cour des lions. Sur le côté est de la cour des lions, il y a ce qu'on appelle la salle des rois, qui reçoit de son nom de peintures qui peuvent être observées sur ces trois coupoles. Cette salle aurait aussi été appelée salle de justice, et à partir du XVIIIe siècle, salle du tribunal. Donc elle possède aussi des éléments d'architecture et de décoration assez remarquables, avec ici une partie haute, avec donc une coupole de stalactites bordée par 16 fenêtres. Et il reste dedans des inscriptions, notamment des inscriptions et des figures des sultans, et aussi un portique très richement décoré. La Daraxa, c'est le jardin de Daraxa, qu'on appelle aussi le jardin de l'Indahrana, aussi appelé jardin des orangers et des marbres. Il est délimité par le mirador de Daraxa, la salle des deux sœurs, les chambres de Charles Quint, et par les galeries conçues par l'empereur. Alors, au milieu, il y a donc une superbe fontaine que vous voyez ici. Le jardin, c'est une reconstitution récente. Et on voit ici la magnifique fontaine de ce jardin de Daraxa. Là, on a terminé la visite des palais proprement dit. Et on passe des palais aux parties extérieures, et notamment au jardin du Partal. Sur ces jardins qui s'étendent à la sortie du cimetière, il y avait un petit cimetière, jusqu'à l'esplanade où se trouve la Tour des Dames. Au même endroit se trouvaient les jardins qu'entouraient les palais royaux, distribués aussi de façon échelonnée, et plus tard, les chambres de l'empereur de Charles Quint y furent construites. Pendant la période arabe, il y avait de nombreux bâtiments où logeait la cour qui habitait autour du palais, parmi lesquels la Tour des Dames, que l'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, le Partal reprend exactement le même principe que ce que vous avez vu dans le patio des Myrtes, donc dans le palais de Comarès, avec ici donc des bassins que vous voyez ici, et de l'eau qui descend par des caniveaux qui va aller alimenter le bassin central. Et dans le fond, vous retrouverez toujours une fontaine. C'est toujours le principe des fontaines. Voilà des détails ici du Partal. Et juste à côté du Partal, il y a ce que l'on voit très rarement, mais qu'on a eu la chance de voir. Il y a un petit pavillon oratoire qui conserve l'un des rares arcs outrepassés de l'Alhambra. Vous savez que les arcs outrepassés sont d'origine visigothique. C'est ce que l'on peut voir également au palais de Medina Sarra à Cordoue. Donc là aussi, il y a une provision de décors de stuc, de frises en écriture koufique et cursive. Et à l'intérieur, il y a donc dans ce palais du Partal, la Tour des Dames, avec ici tous les décors assez extraordinaires de la Tour des Dames. Il y avait aussi les bains. Alors les bains sont divisés en plusieurs salles, il n'y a pas de problème, donc ça vous connaissez le système, la salle froide, la salle tiède, la salle chaude, et la dernière qui est la salle à vapeur. Elles sont très simples en général, avec très peu de décoration, donc vous les voyez ici,
avec toute une partie de soubassement de cimaise en mosaïque, et puis ensuite où il y a des voûtes qui sont percées en fait avec des percements en étoiles. Ici, ça c'est les bains arabes qui étaient auprès de l'ancienne, des bains publics de l'ancienne mosquée. Il y avait donc les bains privés donc du sultan, il y avait les bains publics auprès de l'ancienne mosquée qui a été démolie pour mettre une église à la place à côté du palais de Charles Quint. Ensuite, il y a le généralife, ou en espagnol generalife, qui se trouve donc sur la colline avoisinante et qui est une composition également extrêmement rigoureuse. Vous la voyez ici, il y a donc une première cour qui est celle-ci, qui est le patio de la acequia. Acequia, c'est ce qu'on appelle la rigole en espagnol. Et à côté, il y a le patio de la sultane. Sur le côté, il y a donc la galerie nord, qui a également un étage, qui est galerie nord, qui donne sur la colline de l'Albaïcine. Et puis ensuite, il y a sur le côté ici un escalier qui monte jusqu'au mirador supérieur. Et tout ça, c'est étagé de jardins ornementés avec énormément d'arbres à fleurs, mais en contrebas aussi, toute une série de terrasses où on cultivait énormément de fruits, de légumes, etc. Alors, vu ici du palais Nasrid, vous voyez, blotti sur sa colline en partie haute, vous voyez ici le Généralife et le Mirador qui est tout à fait en haut. Donc le Mirador, il occupe les côtes de la colline du Soleil, depuis laquelle on voit toute la ville et les vallées des rivières du Genil et du Darro. Il existe plusieurs interprétations de la signification de ce nom, Généralife, dans celui du jardin de l'architecte ou paradis. Donc en fait, le Généralife est devenu un jardin de repos pour les rois de Grenade lorsqu'ils voulaient échapper de la vie officielle du palais. Donc sur ce plan ici, vous voyez donc l'Alcafema qui est ici, les palais Nasrid, le Partal, ensuite toute la zone de l'ancienne Médina, et donc ensuite, par ce chemin, on arrivait tout doucement ici au Généralife, et ensuite l'escalier qui menait au Mirador. Et ensuite, on aperçoit ici des bassins qui étaient des bassins de rétention de l'eau pour les fontaines, pour le système d'irrigation. D'un peu plus près ici, le Généralife, avec le Mirador ici de la partie haute. Et encore un peu plus près, on s'en approche de plus. Donc tout autour de la cour de la Fequilla, du patio de la Fequilla, il y a des galeries, et cette galerie-là, avec son petit Mirador, donne en fait sur la partie des palais Nasrid, et donc permet de découvrir l'ensemble de l'endroit. Voici ici la cour de la Fequilla avec sa construction à deux étages avec les galeries hautes ici, qui vient le border du côté nord. Il y a donc le bassin central avec des fontaines et la galerie ouest ici qui permet de voir vers les palais Nasrid. Donc, le Généralife, il fut construit vers la fin du XIIIe siècle. Et comme est indiqué par une inscription qui date de 1319, le roi Abdul Iwalid Ismail le décora à nouveau. C'est une œuvre du deuxième sultan de la dynastie Nasrid, Muhammad II. Il a été transformé par Ismail Ier en 1319. Donc, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est construit sur le Cerro del Sol, la colline du soleil. Et il est séparé, il faut le savoir, de l'Alhambra par un ravin donc, sur lequel il y a un pont. Il a été conçu en même temps comme jardin d'agrément et un verger dans l'organisation typiquement musulmane. L'emplacement au nord de l'Alhambra et devant la vallée de Grenade est un autre exemple de la fusion de l'architecture avec la de la nature qui prédominait dans les constructions de la Grenade andalouse. Le palais était situé sur une colline et dans le centre de la propriété et conforme à la description d'un logement de caractère agricole qu'Ibn Liuyun décrivit dans son traité de l'agriculture. En fait, si vous voulez, c'est un endroit qui est traité de telle manière que, même en plein été, quand il fait 45 degrés, eh bien, on y sent la fraîcheur. Parce que, en fait, l'air passe à travers un certain nombre de filtres que sont la galerie qui est ici, mais les galeries qui sont là, et les galeries qui se trouvent également ici. Et vous voyez ici également le patio de la sultane. Dans cette partie, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, qui est l'escalier d'eau, qui
qui est le pilier escalier du jardin. Il est divisé en trois parties et sur chacune de ces paliers, il y a une fontaine avec un jet d'eau et l'eau court dans les canaux qui sont aussi des rampes. C'est-à-dire les mains courantes, si vous voulez, eh bien, les mains courantes, eh bien, vous mettez les mains dans l'eau qui descend à toute vitesse le long de ces escaliers. L'escalier est entouré par des lauriers qui unissent leurs cimes en formant une voûte à travers de laquelle passent les rayons du soleil. Le résultat est une beauté indescriptible et en été, l'escalier d'eau est un refuge d'une douceur infinie. Et vous voyez ici l'escalier d'eau, donc sa descente ici, qui va descendre jusqu'en bas ici. Et vous voyez ici les rigoles qui sont installées, en fait, qui servent de main courante. Alors c'est très agréable parce que quand il fait trop chaud, bien, on vient mettre les mains dans cette eau qui est quand même relativement froide. La fin de l'Alhambra, c'est le 2 janvier 1492 que les rois catholiques entrent dans Grenade. C'est la fin du royaume de Grenade. Le soir même, ils dorment dans l'Alhambra et s'y referont même, dans un premier temps, enterrés. La chapelle de San Francisco, qui est dans le Parador, qui est installée à l'intérieur de l'enceinte du contexte de l'Alhambra. Le dernier sultan, Fubo Abdil, est parti en exil avec son épouse Morahima. Fasciné par le palais et l'art de vivre des Nasrides, les rois catholiques ne détruisirent rien et adoptent même des coutumes orientales, nourriture, vêtements. Charles Quint, leur successeur, fait construire un palais adossé au palais d'Asrid, mais continuera à vivre dans des chambres qu'il fait aménager, donc, comme je l'ai dit, près de la Daraxa. Donc, après cette visite assez exhaustive du complexe de la Alhambra, eh bien, il nous restait quand même à parler du palais de Charles Quint. Donc, vous voyez ici la cour intérieure. Effectivement, on change ici totalement d'ambiance. On est sur quelque chose de bâtiment de style Renaissance. Qui en fait était une commande de Charles Quint qui voulait y établir sa résidence grenadine et il voulait en faire vraiment sa résidence permanente, mais comme vous le voyez ici, à la mesure de son rang. Le projet fut confié à l'architecte Pedro Macheca. Donc ici on est sur un style totalement différent. C'est un palais qui est, on peut dire, maniériste, dans un style qui avait déjà émergé en Italie. En fait, le palais n'a jamais été terminé et finalement n'a jamais été habité. En revanche, en été, on y donne des concerts avec une acoustique assez extraordinaire. Donc, voilà ici l'extérieur du palais. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir même avec les œuvres espagnoles de l'époque, qui étaient la plupart basées sur des conceptions locales. Son influence, d'ailleurs, ce palais fut très limité par ce qu'a comprise. Il faut attendre longtemps jusqu'à Jean-Baptiste de Tolède et Jean de Héral maîtrisent aussi bien le style classique lors de la réalisation du monastère de l'Escurial, dont on peut penser, pour moi personnellement, que ça ne va pas faire frimer, faire trembler les amoureux de l'architecture. Mais ce qu'il faut dire quand même avec ce palais, c'est que son seul intérêt, c'est que ça a permis de conserver les palais nasrides. C'est vraiment son seul intérêt. Alors, je vais m'arrêter un petit peu pour passer à la deuxième partie, qui va être la partie de détail. Comment lire les palais nasrides ? Je vais mettre le diapo. Alors, comment lire les palais nasrides ? Je vais vous parler de la lumière, de l'eau, de la composition et de l'harmonie, l'architecture à livre ouvert. Ce qui me semble important, si vous voulez, c'est que la visite des palais nasrides ne peut vraiment donner totalement satisfaction, c'est que si on a quelques clés pour comprendre comment ça a été organisé. Sinon, on fait une visite sans vraiment savoir tout l'intérêt qu'il y a à avoir un petit peu ce qui décode un petit peu la construction. D'abord, le sens de la lumière. Alors, vous l'avez déjà à peu près suivi dans les premières diapos que je vous ai passées. Voilà, il peut se résumer à ça, le sens de la lumière. C'est-à-dire que tous les arcs qui sont dans les pièces successives accrochent la lumière. Ici, c'est une partie crénelée que vous voyez ici, et donc la lumière est tout de suite accrochée. Et cet accrochage, c'est un accrochage successif, comme vous le voyez ici. 1, 2, 3. Donc ici, c'est avec un crénelage, et puis on va le retrouver ici. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, ça sert à quoi? Mais en fait, le crénelage des intradeaux, ce qu'on appelle donc la partie basse des arcs, des murs de refend, scande les accès aux salles principales et ça se comporte comme un filtre de lumière. De lumière successive qui s'atténue depuis l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa qui s'amplifie de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, ça habitue l'œil, si vous voulez, à accéder à la pénombre, notamment vers la salle des ambassadeurs, qui était très très sombre, et en revanche, ça habituait l'œil en ressortant à la lumière, comme si on avait un certain nombre de diaphragmes, si vous voulez, qui permettent à l'œil de s'accoutumer. Donc, c'est. Alors, on retrouve ça aussi dans l'architecture romane, dans les embrasures des baies très très étroites de l'architecture romane, des embrasures très très profondes. Eh bien, on va retrouver cette captation de la lumière. On voit ça dans les réfectoires, notamment. Donc, vous voyez ici toute la richesse de ce que cela peut comporter, et richesse d'autant plus forte que les arcs, on a vu des crénelages, mais ensuite, il y a des modillons, et il y a aussi des stalactites. Et on va le retrouver dans les successions ici de passages, de séquences, où il y a donc des arcs avec des stalactites. Voilà, ça, il faut bien retenir ça, parce que quand on visite les palais, c'est un sentiment très très important, que l'on va retrouver également ici. Donc, qu'est-ce qui compose la lumière dans les palais nasrides? Le deuxième point important, c'est l'eau. Alors, l'eau, la colline de la Sabica, en fait, elle accueille un système d'eau assez sophistiqué. En fait, l'eau était vitale pour la survie dans le désert. L'eau est en fait suprême raffinement pour les nasrides, mais on va dire ça aussi pour tous les pays qui bordent la Méditerranée, plus particulièrement en Iran, où finalement, dans le désert, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour faire arriver l'eau. Et ici, ils ont fait la même chose pour capter en fait l'eau qui venait de la Sierra Nevada. L'alimentation se fait par la captation des eaux de la Sierra Nevada vers le plateau de la colline par un usage approprié de la ligne de plus grande pente, les Romains connaissaient ça parfaitement, confère le pont du Gard. Sur la colline qui lui fait face, l'absence de dénivellation propice pour faire de même a conduit au creusement de citernes pour la rétention d'eau. Et cet afflux hydrologique, en fait, a permis de transformer l'endroit en un jardin luxuriant pour les nasrides. Ils tentaient dans cet espace d'aménager, d'oublier le temps de leur séjour, les difficultés de leur règne. Et ensuite, si vous voulez, il y avait un système de siphons qui permettait de faire remonter l'eau dans les fontaines. Donc tout ça était bien calculé. À partir ici, un document d'archives, donc une citerne, archivée, que vous voyez ici, qui est sur la colline de l'Alhambra. Et puis ensuite, des canaux. Donc, qu'on appelle à droite ici à Fekia, ou ici des canaux carrément portés par un portique voûté en arc que vous voyez ici. En fait, le jardin islamique qui est alimenté est hérité du jardin persan et des jardins byzantins qui s'est développé au Proche-Orient et au Moyen-Orient et dans les territoires occupés par les Arabes aux alentours de la Méditerranée. Et vous voyez donc le résultat, c'est qu'on a toujours des fontaines qui sont alimentées par les petits jets d'eau que vous voyez ici, ou par un petit jet d'eau qui est là. Ça, c'est un principe que l'on va retrouver dans la totalité donc des locaux et des pièces et des espaces et des jardins du palais des palais nasrides. Vous voyez ici la profusion de l'eau dans le Khénarifé et l'escalier d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les compositions, on les retrouvait dans les palais nasrides avec ici un axe nord-sud, un axe nord-sud et un axe est-ouest. Et en fait, ce sont les rigoles et les fontaines qui assuraient les axes de composition des palais. On renvoie ici une vue en axonométrie qui montre bien qu'on a un sens dans ce sens-ci et un sens dans ce sens-là. Et à chaque fois, il y avait une fontaine ici, une fontaine ici, une fontaine ici, pardon, et une fontaine dans la salle des avant-serrages. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, ensuite, on va passer à
la composition et à l'harmonie. Donc sur cette, sur ce plan que j'ai annoté, donc vous avez la composition nord-sud que vous avez ici, qui est donc qui sert d'axe à la cour des Myrtes et au palais, à la salle des ambassadeurs. Et vous avez une composition pardon, est-ouest qui gère la cour des Lions. Cette rotation à 90 degrés est voulue. Elle est voulue pour bien différencier ce qui est du domaine public du domaine privé. Donc les orientations différentes amènent la symbolique en fait de hiérarchie entre les deux palais. Mais maintenant, si on regarde de plus près, eh bien, vous verrez que la cour des Myrtes, à Ryanès, ici, a sa propre composition. Et vous voyez que le rectangle de composition en dehors des deux galeries, ce rectangle-là, là, c'est un rectangle d'or. Rectangle d'or, c'est phi égale 1 plus racine de 5 sur 2 égale 1,618. Alors, vous allez me dire, bon, ça va, c'est gentil, mais ça ne vous apprend pas grand-chose de plus. Si, ça vous apprend grand-chose de plus. Parce que ce rectangle d'or, vous le retrouvez en jaune ici. Mais vous le retrouvez dans le patio des Lions, un double carré. Et puis, si vous prenez la tour de Comarès, comment est-ce qu'elle est construite? Donc son ensemble structurel, eh bien c'est d'abord un carré. Carré, c'est racine de 1. Ça donne 1. Et ensuite, à partir du carré, on va tracer avec la diagonale du carré. La diagonale du carré, c'est racine de 2. Eh bien on va trouver la deuxième hauteur qui est en bleu ici, qui est fondée sur racine de 2. Et ensuite, la troisième étape, c'est on part de racine de 2, et toujours à partir du point de base, on va recréer, excusez-moi, on va recréer un arc de cercle, il va nous amener racine de 3. Et en fait, tout ça, c'est de la composition géométrique. Mais cette composition géométrique, on va la retrouver partout dans le palais. Car si on prend les deux pavillons qui sont dans la cour des Lions, eh bien on va retrouver le carré de base. Ensuite, l'élévation ici pour arriver à ce niveau-là, à racine de 2, et pour arriver juste en dessous de la toiture, à racine de 3. Alors, le nombre racine de 2, il est connu depuis longtemps. En Mésopotamie, les scribes savaient déjà calculer une valeur approchée très précise. Dans le premier tiers du second millénaire avant notre ère. Ensuite, ils ont démontré que la diagonale d'un carré et son côté étaient incommensurables, ce qui revient à dire que racine de 2 est irrationnelle. Donc l'étude de l'incommensurabilité a joué un rôle important dans le développement des mathématiques grecques. Pour les Grecs, ni les fractions ni les irrationnels ne sont des nombres. Ce pas est franchi par les mathématiciens arabes à l'origine de l'algèbre. Et alors si on continue, eh bien si on reprend le patio du Quarto Dorado que vous avez vu au départ, les proportions, eh bien vous retrouvez sur la totalité de l'ensemble ici, racine de 2, sur la partie qui est ici, le nombre d'or, et sur l'élévation ici, la composition en racine de 2. Et la composition, là j'ai repris un plan qui est assez intéressant, qui redonne en fait un tracé régulateur, ce qu'on appelle un tracé régulateur, et qui nous permet en fait de comprendre qu'est-ce que c'est que le langage architectural, qu'on va retrouver dans les détails ici, sur ce petit détail de l'oratoire donc du Partal, où vous avez la même composition géométrique qui reprend le triangle d'or, le rectangle d'or que vous avez ici dans la composition. Tout ça pour vous dire que, comme d'habitude, l'architecture, c'est de la poésie géométrique
et que si on veut comprendre pourquoi on trouve que cela est harmonieux, ben c'est que l'harmonie, elle a été calculée. Sinon, ce ne serait pas harmonieux. Le deuxième chapitre, c'est l'architecture à lit ouvert. Alors, pardon. Les murs de l'Alhambra sont pleins de décorations calligraphiques, d'écritures cursives et koufiques, avec des phrases telles que « Seul Dieu est vainqueur », déjà nommée, phrase qui est censée être de Zawi Ben Ziri, fondateur de la dynastie Asrid, et des poèmes écrits par trois poètes de la cour de Grenade, Ibn al-Ayyab, Ibn al-Jatib et Ibn Zamrak, qui furent secrétaires de la chancellerie royale et premier ministre. Parmi ces poètes, Ibn Zamrak est considéré comme le plus brillant des poètes de l'Alhambra. Les armoiries d'Asrid, je vous ai montré tout à l'heure, et il n'y a pas que de vainqueur, sinon Dieu. Ce qui se traduit dans une frise ici par cet élément-là. Mais si on rentre un petit peu plus profondément, ce qui nous est difficile pour nous parce qu'on n'est pas connaisseur de l'arabe, eh bien, on s'aperçoit que sont mélangées des décorations koufiques et cursives avec une inscription que vous voyez ici qui veut dire baraka, c'est-à-dire bénédiction. Alors ce terme de baraka, vous le retrouvez là, partout. D'accord ? Et donc, c'est un signe, si vous voulez, c'est un module que l'on va retrouver sur l'ensemble des panneaux. Donc ici, les compositions que vous voyez ici reprennent des éléments koufiques et cursifs. Et on va retrouver baraka un petit peu partout. Et puis ensuite, dans le montage, on va retrouver... Alors je reprends ici le mirador de la Raqsa, dont l'élément central dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà son détail si vous voulez redessiner. Et en fait, tout est recomposé à partir des éléments comme ici le baraka, et ensuite on va recomposer, c'est-à-dire qu'on va enjoliver avec une architecture végétale pour retrouver ensuite l'élément d'inscription qui est ici, qui est recouvert par un arc, et en fait c'est comme si on reconstituait en fait une mosquée, ni plus ni moins. Et qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dans ce médaillon ? Je suis le jardin orné par l'harmonie, contemple ma beauté et tu comprendras mon rang. Donc ça veut dire que dans toutes les inscriptions, dans tous les poèmes, en fait, les poètes décrivent carrément symboliquement et architecturalement le palais. Ça, c'est très intéressant. Et ensuite, ils vont associer donc les écritures cursives et koufiques, avec ici un très bel exemple d'écriture cursive dans la salle des demoiselles. Et par exemple, ce qui est décrit dans le pavillon du général Ife, Taka à la porte du salon le plus heureux pour servir à sa majesté dans le mirador. Mon Dieu, quelle beauté se lève à droite du roi incomparable. Lorsque les verres d'eau apparaissent à l'intérieur, ils sont comme des demoiselles en haut. Réjouis-toi avec Ismaël, grâce à qui Dieu t'a honoré et t'a rendu heureux. Que l'islam subsiste par lui avec une force tellement puissante qu'elle soit la défense du trône. Alors l'inscription la plus intéressante, elle est en fait autour de la fontaine du patio des lions. Donc voilà, ça c'est l'élément, hein, donc le cordon supérieur de la fontaine en albâtre, dont je vous ai mis le détail ici. Et vous pouvez lire, « Béni soit celui qui octroie à Mohamed de si beau pour décorer ses grandes maisons, car n'est pas vrai qu'il existe dans Sardin des merveilles que Dieu n'a fait incomparable en beauté, et une sculpture de perles de pure transparence, de pureté transparence, pardon, dont les bords sont décorés avec une bordure de perles. L'argent fondu court entre les perles, ressemblant en beauté à l'aube et pure. En apparence, l'eau et le marbre semblent se confondre, sans que nous sachions quelle des deux glisse. Ne vois-tu pas comment l'eau s'écoule sur le bassin, mais ses gels la cassent rapidement. C'est un amant dont les paupières débordent des larmes, et des larmes qu'il cache de peur d'un délateur. » Et puis le poème se poursuit. Donc, en plus, ça, il y a une signification dans la fontaine, puisqu'il y a sept lions, qui, eux, ils datent du 10e siècle, 12 lions, pardon, qui reprennent donc les 12 travaux du roi Salomon, les 12 signes du zodiaque et les 12 mois de l'année. Voilà. Alors, ensuite, des poèmes, on va retrouver partout, notamment dans le jardin d'Araxa. Il y a un très très bon bouquin qui a été fait là-dessus,
qui s'appelle Lire l'Alhambra et que vous pouvez très bien retrouver sur Internet. Donc à l'Alhambra, il y a une référence constante au temple de Salomon et au palais des civilisations anciennes, grecques et méditerranéennes, qui instaurent un respect pour le pouvoir. Tous ces éléments figurent dans l'univers spirituel véhiculé par l'architecture de l'islam, les autres étant disparus, réduits à l'état de ruines. Seuls subsistent aujourd'hui les palais nasrides de l'Alhambra pour en témoigner. La continuité de ces traditions dans la structure du mouvement du pouvoir musulman permet donc d'avoir accès, encore aujourd'hui, à l'esprit propre de ces lieux, dont la décoration procède de la cosmogonie, propre aux penseurs et théologiens de l'Antique. IT. Les matériaux, terminé par là. Les matériaux, il y a plusieurs matériaux qui ont été utilisés, donc le pisé, la brique, le bois, les moncarnasses, les azuléros, le marbre et l'albâtre. Alors, le pisé, et les tours que vous avez vues de la Kafaba et la tour de Comares ont été faites entièrement en pisé, pas de la pierre. Donc, c'est du pisé qui faisait pratiquement 3 mètres de large. Et le pisé, ben, ils n'avaient qu'à se servir ici en bas, hein, puisque toute la colline était bordée par de l'argile. Eh bien, on creusait en bas et puis on remontait l'argile pour construire les tours. Donc, le pisé, vous savez comment c'est fait. C'est une argileuse et granuleuse et que l'on compacte à la main par couches successives. Vous voyez ici un montage de pisé traditionnel aujourd'hui et comment on montait le pisé. Et d'ailleurs, la structure même du pisé, que l'on voit ici pratiquement comme une tapisserie, elle est reprise, alors d'une manière un petit peu dévoyée, dans beaucoup de constructions de palais espagnols dans les siècles qui ont suivi. Donc on extrayait la terre en été, ensuite on la mettait en œuvre quand elle avait un taux d'humidité relativement bon. La brique également, puisque tout le reste du palais que vous voyez ici, la tour de Comares en pisé ici, et tout le reste du palais ici est en brique. Et on voit un détail de briques ici sur une voûte dans les sous-sols des palais. Alors la brique, bien, de toute façon, les Arabes étaient passés maîtres dans l'art de la brique et ils ont transposé cet art de la brique après dans les monuments chrétiens et on les appelait donc l'architecture mudéra qui est faite d'éléments de briques. Le bois, ici vous voyez donc un encorbellement extrêmement ouvragé en bois, que l'on retrouve d'ailleurs dans toute l'Espagne, mais également tous les plafonds qu'on appelle artesolados, avec toujours des références d'étoiles, que l'on retrouve également dans la salle de la barque à ce niveau-ci. Et que l'on a retrouvé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans le plafond de la salle des ambassadeurs de la tour de Comares. Ensuite, les mucarnas, en espagnol mocarabès, et pour nous stalactites. En fait, il s'agit d'éléments décoratifs en forme de nid d'abeilles et qui sont réalisés en stuc peint, en bois, en pierre ou en brique. Ces éléments dégringolent en stalactites ou garnissent les voûtes ou à l'intérieur des coupoles de nombreux bâtiments musulmans. Vous voyez des détails ici de stalactites qui sont encore polychromés, que l'on voit ici sur des arcs. La composition des stalactites était une composition géométrique extrêmement complexe, avec des éléments modulaires que vous voyez ici, qu'on en assemblait. Grosso modo, le Rubik's Cube à côté, on le trouve en 5 minutes, et pour trouver la géométrie des mucarnas, il va falloir pas mal de temps. C'est extrêmement compliqué. Et vous en voyez la complication ici, à ce niveau-ci, mais également dans ces éléments-là, et aussi dans cet élément-là. Alors ça, puis c'est aussi le rappel, les mucarnas sont aussi le rappel des grottes. Hein. Donc c'est la symbolique de la grotte. Ensuite, les azuleros, donc pour nous la mosaïque, qui est toujours faite à base souvent de géométrie complexe. En plus de leur aspect esthétique, elles gardent les murs au frais et offrent une protection aux murs. Donc elles ont une double fonction. Donc elles sont d'un design absolument infini pour couvrir autant de distance que nécessaire pour chaque espace. Les mosaïques sont réalisées avec précision mathématique et d'une précision géométrique assez extraordinaire. On utilisait pour le bleu le cobalt, pour le violet ou le noir le manganèse, pour le vert le fer, pour le rouge et le vert le cuivre, pour le blanc l'étain et pour le jaune le plomb ou l'antimoine. Donc voici une photo que vous avez vue tout à l'heure avec donc le soubassement de ce qu'on appelle en carrelage en espagnol alicatados qui est surmonté donc des stucs. Et vous voyez donc ici des graphiques de soubassement en mosaïque
où le thème de l'étoile revient tout le temps, comme il revient d'ailleurs sur les plafonds artesolanos. Et on va retrouver aussi cette mosaïque dans les bains, comme vous le voyez ici. Pour la construction des mosaïques, eh bien, on avait affaire à toute une décomposition géométrique, dont vous voyez ici un exemple de recherche. Ensuite, le stuc, qui lui est pratiquement le parement généralisé dans les palais nasrides, donc que vous voyez ici dans les différents locaux. Ce qui est intéressant dans le stuc, c'est qu'il permet aussi, à travers ces éléments ajourés, de filtrer l'air et donc de le rafraîchir, comme vous l'avez vu dans les pavillons du patio des Lions. Voilà les inscriptions en stuc ici dans la salle des ambassadeurs, et qu'on va retrouver dans les atrados d'arc ici, ou sur des abacs de chapiteaux. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le stuc qui sert de filtre pour rafraîchir l'air. Vous voyez, parce qu'il y a ici deux niveaux de parement, et entre ces deux niveaux de parement, il y a du vide, mais les stucs sont ajourés pour laisser passer la fraîcheur. Et le dernier élément, eh bien, c'est le marbre et l'albâtre. L'albâtre, vous l'avez vu tout à l'heure dans la cour des Lions avec la fontaine et les lions proprement dit. Et les colonnes, vous les avez vues aussi dans la cour des Lions avec toutes ces colonnes. C'est dans 124 colonnes de la cour des Lions. Donc c'est tout ça, si vous voulez, qu'il faut savoir regarder. Regardez un petit peu dans le détail, même si pour nous l'arabe n'a pas beaucoup de signification, puisqu'on ne comprend rien, enfin, sauf pour les arabisants. Mais si on commence à détecter un certain nombre d'éléments, comme par exemple Baraka que vous voyez ici, eh bien, on commence un petit peu à rentrer dans l'intimité de ce que pouvaient être les palais nasrides. Moi, je préfère dire Nafari en espagnol, parce que je trouve que ça sonne mieux, mais on va rester sur les palais nasrides. Et pour terminer, eh bien, on ne va pas résister au plaisir d'entendre Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, et tout le monde connaît cet air, joué ici par Alexandre Lagoya. Voilà, écoutez bien, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Thank you.